Voilà, je voulais savoir quel genre de catégories qui sont restées pour les concerts de l'artiste musicien Fally Ipupa. Alors, c'est bien ça, on est d'accord. Ouais. Alors, pour... Comme catégorie. Là, il en reste dans la fosse or à 90, il en reste encore. Fosse or, il en reste 99. Tribune basse, il en reste que 2. Deux. Dans la fosse, ça reste combien? Je vais voir. Il y en a. Donc, du coup, 99, moi je suis belge, donc 99, 99, plus 2. Donc, après 200 billets, donc ça reste 270 billets encore. Pour un sold out. Pour que le concert puisse être complet. Fanjo et Fanjo. Pour moi, la sécurité dans l'arène. Dispositif sécuritaire est bandit déjà. Et Fanjo, bon, mon. Paris, la défense arène, la sécurité autant molana au saranate. Bose la bombe, pièce contre pièce. Mesdames et messieurs, ce qu'on vous disait, il n'y a pas les concerts, mais regardez la sécurité, dispositivité à sécurité. Va, va pas, Zana. Émission au Peso Kota Lobby. Donc, regardez la sécurité jusqu'aux dents. Ça, c'est le périphérique de la défense. Là où il y a les institutions de la France, regardez vous-même. Donc c'est ça, regardez, il y a des policiers. Hein? Il y a la sécurité jusqu'aux dents. Donc pas des blagues. Pour moi, donc. Warrior, on est à Paris. On va faire des investigations aujourd'hui. On va aller à la FNAC, contrôler et voir où en sommes-nous avec la vente de billets à ce qui concerne le concert de Fally Ipupa à Paris, la Défense Arena. Nous allons voir où est-ce qu'il allait, comment aller. On m'a indiqué. Ah ouais, voilà, l'endroit c'est là-bas. On est à Paris, donc le Warrior restait branché, je vous avais dit. Bientôt de bonnes choses vont arriver. Bientôt vous allez avoir des vrais chiffres. Le Master est ici pour le travail. Donc comme j'ai toujours l'habitude de dire, je n'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un et je m'en fous de ça. Donc je fais ce que j'aime. Je le fais parce que j'aime mon artiste. Donc du coup, on va aller à la FNAC, on va contrôler, on va voir, on va demander aux gens, on va parler. Bouza la calme, loko ya kubang zate. Le sold out va être prononcé. C'est l'objectif de ces concerts, c'est l'objectif de ma présence ici. Donc je vais d'abord commencer à demander à chaque personne qui a envie de venir au concert et la personne est en train d'hésiter, d'acheter son billet sans pourtant hésiter. Donc c'est comme ça, on va chercher où est-ce qu'il se trouve la FNAC. Voilà, la FNAC est là. La FNAC est là, donc on va aller pour vérifier qu'est-ce qui s'est à ce qui concerne de vente des billets. Est-ce qu'ici ils ont d'abord des billets? Alors on est entré à la FNAC. La FNAC est là. Alors on va aller d'abord contrôler. Bonjour monsieur, où est-ce que ça se vend les CD des artistes musiciens? Les CD des artistes musiciens, la musique. Ouais, la place, le rayon. Ok, merci. Je vais venir pour vous ici pour poser encore quelques questions. Si... Merci. Voilà, on va d'abord aller voir comment est-ce que ça se vend, les CD. À ce qui concerne des artistes musiciens. Ça... Voilà, la FNAC est là. Vous pouvez vérifier, il y a tout des artistes. Je ne sais pas où est ce rayon. Anna et Fally, on ne sait pas. Est-ce qu'ici, dans cette FNAC aussi? Parce qu'ici, on a à Montparnasse. Je sais pas. Ou soit les CD sont là. Ou c'est fini. Voilà, il y a un peu de tout ici. Je crois qu'il y a de la réduction même. Il y a de la réduction en ce qui concerne plusieurs choses. Donc, du coup, on va voir. Ici, c'est la musique. Musique, musique. Souvent, les CD des Fally, ça se trouve dans la FNAC. FNAC en ville là-bas. On voit ça, ce sont des films. Alors, on va voir. Nous avons mon abino moko le warrior. Investigation dans ma casse. Voilà, je crois les CD des Fally c'est fini. Ici, ils ont écrit rap français. Classique, classique. Donc, il n'y a pas ces rayons-là de la rumba. Vous pouvez voir. Voilà, du coup, voilà, c'est pas grave, on va aller chercher même aux Champs-Élysées. Mais pour l'instant, on va voir dans cette FNAC s'ils se dupliquaient
des billets à ce qui concerne le concert de Fally Ipupa. Attends, on va revoir encore un peu. Est-ce qu'il y a dans ça l'erreur Tengai? Parce qu'il y a des artistes. Ici, c'est rap français. Jazz, classique, compilation, band. C'est un peu compliqué ici. Hein? Mais bon, ils ont vlog, donc on va continuer avec après. Donc, on va voir de l'autre côté. Ça, ce sont des quels CD. Donc, il y a des livres, il y a tout ici à la FNAC, donc vous pouvez tout trouver. Et on doit poser la question. Voilà. Excusez-moi, est-ce qu'ici vous vendez aussi des billets de concert? Est-ce que vous imprimez des billets de concert? Alors, imprimer oui, vendre non. Notre billetterie n'est malheureusement pas disponible. Les billets ne sont pas disponibles, quoi? Non, il faudrait aller voir dans les grandes FNAC. Ah, ça se trouve où? Alors, la plus proche d'ici, ça va être 136 Rue de Rennes. Ouais. À 10 minutes à pied, c'est juste derrière la tour Montparnasse. Ah, juste derrière, à tour droit comme ça? Ouais, tout droit. C'est okay. Juste après le Zara. Merci beaucoup, merci. Ouais. Voilà, on va aller chercher ailleurs. Ici, c'est les petits FNAC. Donc, les investigations se poursuivent. On va aller voir ailleurs comment est-ce que nous allons trouver et parler avec des gens à ce qui concerne le CD. Je vais sortir d'ici parce que je suis à Montparnasse, la tour Montparnasse. Et puis, j'irai tout droit là où on m'a indiqué. Et puis, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, le Warrior, achetez vos billets. Le sold out va se prononcer, donc achetez vos billets, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, venez au concert, il plaît, mais on fait le travail, c'est le travail qui nous appelle. Donc, Bawarion, Nyonso Boza partout dans le monde, réservez, achetez vos billets. Le concert sera sold out bientôt. Si ce n'est pas demain, c'est le même jour, le samedi, on va annoncer notre sold out et du coup, ça sera vraiment top, 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 top. Voilà, je suis sorti à l'extérieur. Pour aller chercher la FNAC tout proche, ils ont dit c'est tout droit, je sais pas. Là-bas ou là-bas? Donc du coup, moi, je vais me chercher et puis on va se retrouver juste après. On va aller voir le grand FNAC. Où est-ce que ça se trouve? Où est les CD? Où sont les billets? Où en sommes-nous avec la vente des billets du concert de Fally Ipupa à Paris La Défense Arena? Donc c'est pour déjà jour J-2. Les masters vont faire ses investigations, vous allez voir. Tout ce qui se passe à la FNAC, tout ce qui se passe à Paris, tout ce qui se passe en France. Et nous allons peut-être demain faire des radios tourtois, d'avoir l'avis des Français. Qu'est-ce qu'ils en pensent à ce qui concerne ce fameux concert qui est l'événement de l'année. Donc le meilleur concert de tous les temps, le concert qui va faire. Voilà, derrière moi, juste vous avez vu, c'est écrit FNAC. Ici, c'est le petit FNAC, donc on va aller chercher au grand FNAC. Comment est-ce que nous allons trouver des vraies informations qui viennent de la source pièce contre pièce avec les masters de la Pasto Koutanambalasima. Achetez vos billets le 25 novembre, c'est chaud. Le Warrior, de loin déjà on peut apercevoir la FNAC. On va traverser la route, on va attendre. On va traverser la route pour aller faire des investigations. Voilà, voilà, pour aller faire des investigations. La FNAC, elle est juste là, donc on est à Paris. On attend le feu vert et puis on va passer. Et puis on va parler avec des gens et puis on va voir qu'est-ce qui réellement se passe à ce qui concerne la vente de billets. De ce fameux concert, le concert historique comme moi je l'appelle. Le concert qui va laisser des traces, le concert que les gens vont parler des années et des années. On est du Génération Arena, on a eu Génération Zénith, on a eu Génération Olympia, on a eu Génération Bercy et maintenant on est Génération New Arena, Paris La Défense Arena. Donc on va aller juste là. C'est pas encore vert mais on va faire. Voilà, on est passé. On est à Paris donc vous êtes en train de voir. On va aller juste à côté pour voir. Voilà, voilà. La FNAC, elle est là. Comme vous êtes en train de voir le logo. Voilà, FNAC. Nous allons juste entrer pour son... voilà. Bonjour. Nous allons entrer pour voir. Dire, voilà, ça c'est un peu plus grand. On va aller voir qu'est-ce qui se passe réellement ici à la FNAC. Voilà, il y a un peu de tout, mais moi je vais pas me perdre. Je vais aller chercher le rayon, d'abord rayon CD, et puis on va aller chercher d'autres rayons. Bonjour, excusez-moi, vous travaillez ici? Oui. Je cherche les rayons CD pour la musique. Deux
Au-dessus, au deuxième étage. Ouais. Et si je veux avoir les cartes des billets des concerts, c'est aussi au-dessus? C'est juste là. Juste là. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons monter au-dessus d'abord pour voir le rayon CD, puis on va aller voir comment est-ce que les billets est en vente. On va aller voir. Parce que ça, la FNAC ici, elle est plus grande. Donc, on a même des escalators. Voilà. Voilà. On va aller voir. Donc, pièce contre pièce, le master de la poste Mutuya, vérité, VPP. Donc, chez moi, c'est la vérité. On est rayon ici, c'est des ordinateurs. Je sais pas. Ouf. Ah, au bout, la famille, non. Dans mon boulot. Donc, du coup, on va voir. Où est-ce qu'il se trouve du rayon CD pour la musique? Est-ce qu'il y a toujours la musique de Fali ou pas? Donc, on va demander aux gens qui sont ici. Bonjour. Excusez-moi, où est-ce que je peux trouver rayon CD pour la musique? Au-dessus. Au-dessus encore? Oui, encore au-dessus. Ah ouh, c'est chaud. Donc c'est grand, Sabino. Donc ne vous inquiétez pas, on va trouver ensemble. Donc soyez calme, regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'est très important. On va monter encore. Donc on est monté, on va encore monter. Parce que FNAC Wabiza parmi la plus grande en France. Donc on est monté, on va encore monter. Voilà. Donc, ils ont des rayons CD musique ici. Je crois que je vais trouver. Hein. En tout cas, je vais vraiment trouver. Ouais, ouf, il y a trop de CD. Donc, du coup, on va pas perdre le temps. On va juste demander. C'est fatigant, en tout cas. Mais bon, les travail nous appellent. On est venu travailler. On n'est pas venu faire des blagues. On va poser la question à ce monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, où est-ce que je peux trouver les CD pour la musique, hein? Rayon CD musique classique, les games, c'est comme ça. Du rap ou... Tout, rap, musique, rumba. En fait, alors, là vous avez la variété internationale. Là, voilà, la musique rap. Internationale par exemple de Fali et comme ça. Là vous avez rap ici, la musique internationale ici. C'est où là-bas la musique internationale? Est-ce que les artistes africains par exemple vont se trouver là-bas ou bien ici? Oui, il y a un... Alors, regardez. Par exemple Fali ou pas. Et vous allez tout indiquer en fait. C'est bon, merci. Donc du coup, on va voir les rayons. Voilà, ici, c'est rap français. Voilà, on va voir. On va voir, on va vous amener, on va voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a plein ici. Je ne vais pas me retrouver ici. Il y en a en tout cas plein. Est-ce que ici, c'est la musique? Pop rock, on n'a pas besoin de ça. Metal, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de metal. Soul R&B rumba, c'est ça. Voilà. R&B, est-ce qu'il fallait faire du R&B? D'abord, sa catégorie, c'est où? Je sais pas. Bon, je sais pas, mais... On peut trouver le CD de Formule 7 ici. En tout cas, variété internationale, rock indépendant. Variété internationale. On ne sait pas. Bon, comme on nous avait dit, les CD sont finis. Le mission d'hier, on m'avait dit les CD sont finis. Moi, je suis venu voir si les CD sont là, mais en tout cas, je n'aperçois pas. Nazomo Nanoba CDT, je ne sais pas. Aza Rock indépendant, on n'a pas besoin de rock. Variété internationale, est-ce qu'il fallait se retrouver dans la variété internationale ou soit. Bon, je vais seulement voir. Très bien, on va prendre du temps un peu, excusez-moi, avant d'aller poser des questions à ce qui concerne. Quel genre de catégories sont restées pour les concerts de Fali Ipupa? Donc du coup, voilà. Donc, du coup, il fait chaud ici à l'intérieur. Ça, c'est variété internationale aussi. Papa de Humbert, John Clash. Tous ces CD, je crois. Bon, les CD de Fali, il n'y a pas. C'est fini, je crois. Je ne sais pas quelle catégorie on enregistre sa musique. Ici, par contre, on est dans la musique française. Si vous regardez par
y a du Black M, il y a même Dajou, il y a. Donc, Bamizung na Bangweza. Ici, c'est la variété, je crois, un peu. Est-ce qu'ils ont assez de. Est-ce qu'on doit ouvrir doit... Parce que, par exemple, derrière là-bas, vous voyez, il y a aussi Aya Nakamura derrière, mais devant, c'est pas Aya. Donc, est-ce qu'on peut trouver ça comme ça? Est-ce qu'il y a des rayons chaque artiste? Par exemple, ici, il y a Niro. Ici, il y a Nino. Donc, je sais pas comment ils ont classé ça, mais bon. Ça sera très difficile à trouver. S'il n'y a pas de CD, je crois que c'est fini. Donc, il faut pas dupliquer le CD Moussousou. Donc, il faut pas ça, le CD Asika. Donc, à toi, il y a FNAC. Donc, investigation continue. Voilà, c'est pas un problème. Donc, je crois. Voilà. Je crois que le CD de Fali doit être encore dupliqué. Parce que c'est acheté en masse. Parce que l'objectif était. Chaque personne qui arrive au concert doit amener son CD Formule 7 et aussi les CD de Tokos D. Comme vous avez vu dans l'émission d'hier, quand on a fait le live, tous ces fanatiques de Fali avaient leur CD Tokos et CD Formule 7. Donc, ils nous ont dit hier que non, eh ben, CD Silaki, moi je suis venu voir si réellement il n'y a pas. Si ben, CD Silaki, oui, il n'y a pas de CD, donc Fali n'est pas là. Donc, ben, CD Fali est Sili, donc il doit encore dupliquer des CD. Pour que tout y en a un concert, Bissonion soit plus de 40 000 personnes. Chaque personne doit amener son CD. Donc les CD de Fali pour passer déjà finito à la FNAC France. Donc on est ici à la FNAC Montparnasse. Donc juste à côté du tour de Montparnasse, vous pouvez vérifier pièce contre pièce. Pour ça, les crédits doivent se retrouver dans ces rayons. Vous avez trouvé par exemple Dajou, Black M. Il n'y a pas aussi Gims. Donc les CDP, il y a Petruana Pondiré. Donc mon boule est vidé. Donc, si vous regardez à NASA, il y a des artistes qui sont là. Il y a aussi d'autres artistes, par exemple, Aya Nakamura, c'est juste derrière NASA. Je ne sais pas comment on a classé ça, mais bon. Mais donc, on va demander à l'équipe de Fali de faire vite, de dupliquer des CD. Bon, ça reste 2 jours, mais je ne sais pas comment ils font. Niveau à concert aux airs au Saranate, FNAC à Champs-Élysées, chaque FNAC doit avoir son CD pour juste. Les concerts, parce que l'objectif est d'avoir ce disque d'or là. Chaque fanatique doit amener un CD Tokos et un Tokos D et un CD Formule 7. Voilà, ça c'est à ce qui concerne ces investigations. On va aller maintenant poser la question à ce qui concerne la vente des billets du concert, le concert de l'année. Donc on va poser la question, où est-ce qu'on peut nous vendre en tout cas des billets pour ce fameux concert de l'année. Donc on posera la question à quelqu'un pour nous indiquer et on va voir. Bonjour. Donc, on va poser la question à la personne qui est libre. Voilà. Bonjour, monsieur. Oui. Excusez-moi, où est-ce que je peux aller acheter des tickets de concert? Ça doit se trouver en bas. En bas, oui. Merci. Donc, ici au-dessus, c'était juste pour les CD. En bas, c'est pour les concerts. Donc, on va aller poser les questions. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de billets. Je vais juste faire l'investigation, c'est juste le travail. Je ne sais pas comment on va descendre. Là-bas, on monte encore. Il faut encore monter. Les CD ne sont pas là. Donc, Batouana, Bayaki, hier, Bakosa quitté. Donc, ils n'ont pas menti. Batou, Bayaki, hier, en émission, Bakosa quitté. Il poupe, Paul, il poupe, Sokosa quitté. C'est des Sili Press, c'est des vidés. Il faut redupliquer. C'est des Sika. Nanazanagata Fnac. On va les voir maintenant. Parce que pièce contre pièce, Bobby va sold out, Bablo Réseau Salema. Maintenant, on va poser des questions à ce qui concerne la vente des billets des concerts de Fali. On va poser la question à une personne ici pour voir où est-ce que je peux aller chercher le billet. Bonjour monsieur. Excusez-moi, où est-ce que je peux aller pour des tickets de concert? Au rez-de-chaussée sur votre gauche. En bas encore? Merci. Donc il faut encore descendre. Donc on est monté aux 2 niveaux et en bas on doit aller encore chercher les billets. Donc on a dit des sold out, c'est fait. On va aller poser des questions, quel genre de catégories sont restées. J'irai comme un client pour poser des questions et savoir la vérité. Pièce contre pièce, le master de la presse à la FNAC de Paris. Achetez votre ticket, celui qui veut venir au concert prend son billet. Babere, Bimi, Poza, Bitumbeza, Guerre, Isa Moussala. Donc on va aller voir, on est venu travailler, on n'est pas venu croiser les bras, on n'est pas venu peut-être on va faire la fête après. On va poser la question juste là-bas à côté. Ici, on a dit commande retraite A. Voilà. On va poser la question à ce monsieur. Non, lui, il ne travaille pas ici. Donc, voilà. Ici, c'est pour payer.
Voilà, on va aller voir là-bas. Je sais pas, ça c'est quel genre de rayon ça. Je lui ai posé la question à ce monsieur-là. Donc, on va aller poser. Ouf, il y a encore déjà des gens. On va attendre. Ok. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que je peux aller acheter le ticket pour les billets des concerts? C'est là. Là-bas derrière. Ouais. Ici ou bien? Là-bas. Ah, oh, merci beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y en a? Il y en a encore? Il y en a beaucoup. Donc on va voir. Hein. Ok, merci. Parce qu'il faut un sold out. Hein. C'est l'objectif alors. C'est dans 2 jours, mais c'est ça l'objectif. On y va, on nous a indiqué là-haut, trouver les CD. Oh. Bonjour, est-ce que c'est ici pour acheter les billets des concerts? Oui, c'est avec mon collègue, je voulais pas censer là. Ah, ici. Voilà, on nous a indiqué. Madame, est-ce que c'est ici pour acheter les billets des... Voilà, je voulais savoir quel genre de catégories qui sont restées pour les concerts de l'artiste musicien Fally Ipupa. Voilà, on va avoir. Ouais. Comme catégorie. Ah ouais. Les places restantes, ouais. Et là, il en reste dans la fosse or à 90, il en reste encore, fosse or, il en reste 99, tribune basse, il en reste que 2. Deux. Ouais. Et tribune haute, il en reste 70. Dans la fosse, ça reste combien? Je vais voir, il y en a... donc du coup, 99, moi je suis belge, donc 99 plus 2. Donc après presque 200 billets, donc ça reste 270 billets encore pour un sold out, pour que le concert puisse être complet. Ouais. Et il reste encore là aussi, une tribune haute. Ouais, je vis ça, donc il y a ici 99 plus le 2. Donc après, c'est écrit ici 250 billets pour le sold out. Donc, c'est... Alors, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres, il n'y a pas que la PAC. Hein. Vous avez d'autres aussi organismes qui vendent des billets peut-être. Ouais, je sais ça, ouais. Donc du coup, ça ce sont dans, ici il n'y a pas de place pour se mettre par exemple, il n'y a pas de VIP, tout c'est parti. Bah, vous avez par la fosse or, vous êtes vraiment devant quoi. Mais la fosse or, ça peut contenir combien de personnes par exemple? Parce que la fosse, ils disent qu'on doit se mettre debout, hein. Ouais, vous êtes debout, ça c'est sûr. Pour des heures du temps, ouais, c'est après, bon. Il faut directement se renseigner voilà. Ouais. Mais du coup, est-ce que la salle elle est complète? Est-ce que le billet c'est pour toute la salle? Donc 42 000 places alors? Ah oui, c'est complet, oui, c'est ça. C'est ça complet? Ouais, oh ouais. Donc la fosse, on est devant l'artiste? On est debout devant l'artiste en fait. Ouais. Et il y a aussi la fosse, d'autres fosses là aussi, c'est aussi devant l'artiste. Et d'autres catégories, les gens peuvent se mettre. Bah, après, vous avez les tribunes sur le plan, voyez, vous voyez? Ouais. Et pourquoi ils écrivent visibilité réduite, c'est quoi ça? Parce que vous êtes loin, parce que vous êtes beaucoup loin, vous êtes très très loin. Ouais. Et là, la fosse est là. Ça c'est la fosse. La fosse or, vous êtes plus près et la scène elle est juste là. Ah ouais? Voilà. Bah, oui. Mais c'est limité des personnes à la fosse or aussi, parce que je vis, c'est resté 90. Ouais. Ah bah oui. Ah ouf. Voilà. Donc du coup, je vais aller voir avec les amis, on va prendre la fosse or parce qu'ils arrivent maintenant, ils viennent de Finlande, ouais. Ah ouais? Ouais, à 11h, moi je suis ici juste à Montparnasse. Mais donc. Arriver tôt pour être bien placé aussi dans la maison. Ah ouais, donc c'est aussi comment est-ce qu'ils vont disposer, comment ils vont mettre les personnes là-bas? En fait, il faut arriver en avance. Pour, des fois, dans les concerts, dans certains concerts dans la fosse, les gens ils arrivent, je sais pas, la veille pour être bien placé dans la fosse. La veille? Bah, il y en a, il y a des concerts, oui. Les gens qui dansent, je crois que ces concerts aussi, les gens ont là, déjà. Je connais pas trop. C'est la plus grande salle en Afrique, donc je crois que les gens vont dormir là-bas le vendredi alors. Pour être bien, pour être devant la scène, c'est possible. Ah ouf, donc faut venir tôt alors. Ouais. Ah ouais. Donc comme c'est limité à 2 personnes là-bas, c'est bon. Moi je croyais que la fosse c'est pas limité. Donc ils peuvent mettre 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Non, il y a quand même une sécurité, c'est normal. C'est ouais. Donc la sécurité jusqu'aux dents, donc il y a le respect de la place. Bah, oui. Voilà.
Ça, c'est bien. Donc, je vais venir avec les amis plus vite que possible et on va prendre. Il y en a encore, vous inquiétez pas. Ouais, ok, merci beaucoup. Voilà, voilà, vous avez vous-même suivi. À ce qui concerne le billet des Fally Ipupa, on vous a tout dit. J'ai parlé avec la dame et la dame a expliqué en réalité qu'est-ce qui se passe à ce qui concerne ce fameux concert. Vous avez 250 billets encore restants pour un sold out. Est-ce que le Warrior, on peut le faire dans deux jours? 250 billets, mesdames et messieurs. 250 billets restants pour les sold out. Est-ce que Toko ça la sold out? Et bah, Warrior, on a deux jours escalés. Moi, je vous avais dit, je suis un journaliste d'investigation, pièce contre pièce. Fally Ipupa, contrairement à Jas Kavulu, je vais citer son nom alors que j'aime pas. Obaloba qui que non, Fally prend Azuaki Salmo Bimbate, Azu 20 000 places. La dame de la FNAC, elle-même, elle l'a montré dans mes cas qu'on filmait écran. Bon, elle m'a dit de ne pas filmer, mais je dois aussi respecter son travail. Donc, du coup, 250 places restantes pour les concerts de Fally Ipupa pour un sold out. Des 42 000 places, il y a Kovanda plus fosse. Elle vous a dit, dans la fosse or, il y a 99 personnes dans la fosse. 99 personnes dans la partie, je crois, Diama, quelque chose comme ça. C'est deux personnes. Et puis, ça reste encore après, donc 250 en tout. Donc, du coup, vous voulez calculer. On a parlé avec la dame. Vous avez vu 250 personnes. Le Warrior, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Vous pouvez aller acheter les billets partout là où vous êtes. Vous pouvez télécharger sur Internet. Vous pouvez acheter sur Internet. Vous pouvez aussi acheter normalement comme ça. Le Master de la Presse, son objectif, c'est un sold out qui sera proclamé soit aujourd'hui, soit demain, soit le jour du concert. Donc, mesdames et messieurs, 250 billets, ce n'est pas magie. 250 billets pour le Warrior, ce n'est pas quelque chose de waouh. Mais quand même, c'est une fierté pour l'artiste musicien Fally Ipupa. Les invités d'hier, devant Paris La Défense Arena, et ils nous ont dit que c'est des Silaki. Et ils ont raison. J'étais à la FNAC à Liboso. On m'a envoyé, c'est la plus grande FNAC de Montparnasse. Il n'y a pas de CD de l'artiste musicien Fally Ipupa. Je vais demander à l'équipe de Fally Ipupa de dupliquer encore des CD, de faire encore des CD. En tout cas, billets, Ezo Kinde, loco là, petit pain. Deux jours pour faire 250 billets, Ezebele, Tepona Mdoura, Fally Ipupa. Deux jours pour faire 250 billets, ce n'est pas beaucoup pour le Warrior. Je crois en nous, je crois en Warrior, je sais qu'on peut le faire. Donc, du coup, Yomo Omoni, investigation, Sike Memi, Master de la Presse, Nakati à Paris, Nazo Tambola, Naba Fnac, pour Nakokisa, Makambo Oyo, Oyonayela Kimusala. Je suis venu travailler, je suis venu faire des investigations, je suis venu faire des choses. Je ne suis pas venu ici pour Nassala. Bouzoba a déjà image et vidéo Ozokota. Après, Torokende Lissou sous l'Elo Kaka. Libosuya, il y a Sala You Arena. Pour ce que j'appelle une émission spéciale pour vous. Cette émission qui s'intitule spéciale Sold Out You Arena Fally Ipupa. Donc, du coup, Nazozon Andarunabo qui a mis une émission. Oyo. Et puis Botali. 250 billets, c'est possible à le faire. 250 billets, c'est possible à le faire. Impossible à ne pas Warrior, on connaît, on le sait. Donc on peut le faire ensemble, 250 billets. Donc je salue tout le Warrior. Vous avez vu le travail du Master de la Passe. On a Elaki Poto, on a Elaki Awa pour Nassalaba Investigation. Totambola, Tosolola, Tomona. Demain déjà, je crois qu'on va faire des micro-baladeurs pour voir la vie des fanatiques, la vie des gens. Qu'est-ce qu'ils en passent à ce qui concerne le meilleur concert de l'année et le concert historique de la musique congolaise, de la musique africaine, surtout la musique francophone en Afrique. Donc c'est comme ça, on va parler, on va partager avec les gens et ça sera chaud, ça sera bien. Voilà, sans plus tarder, je vais aller mettre la vidéo. Natchela Blombotala. Et puis restez branchés dans cette chaîne pour avoir des vraies investigations, pièce contre pièce. Donc Master de la Presse, Torodo Kisabango. 250 billets, impossible à ne pas Warrior. 250 billets, on peut le faire. 250 billets, on va le faire. 250 billets, ce n'est pas beaucoup. Donc, précipitez-vous. 90 billets, 99 billets pour le fausse or. 99 billets pour le fausse. Il y a encore 2 billets qui partent. Et 50 billets pour d'autres tribunes. Donc, du coup, le Master de la Passe va retourner chez lui pour vous mettre la vidéo. On est à Paris. Dans Nirobozomona, je suis venu pour travailler. Donc, ça là. Rendez-vous à l'émission spéciale Sold Out You Arena devant juste à la salle Paris La Défense Arena. Aujourd'hui, ça sera le live. Donc, on va mettre une émission et live.
Donc du coup, c'est comme ça. Voilà, je vous aime tellement beaucoup. Partagez, likez, abonnez-vous et faites tout ce que vous voulez avec cette chaîne. Et ça, binoza masona, binoza de boza. Moi, si je paye mon avion, je fais tout, c'est pour vous, les warriors. Je salue Efanjo, le boss Fali Poupa et son équipe et tout le monde. Donc on se retrouve et on va voir demain. Et aujourd'hui, d'abord le live, l'émission spéciale Fali Poupa, You Arena. Sold out, 250 billets, on peut le faire. Donc nous allons se retrouver à un prochain numéro de cette émission. Bisous, bye, tout le temps.